Regardez-les. Ils sont tous là. Les Aucun ne manque au rendez-vous. Je vous l'ai promis. Ils sortent de leur sépulcre pour un soir, par ma volonté. Et vont revivre leur histoire. À son demi-frère Héribert, l'évêché d'Auxerre et les terres de Puisaye. Saint Fargeau entre dans l'histoire aux côtés des Fleurs de Lys. Abandonnant leurs fiefs, les Toussis, les Courtenay et tant d'autres partent délivrer le tombeau du Christ. Dieu le veut. Ennemis depuis une semaine, un petit groupe de 5 cavaliers reprend courage en progressant vers la Loire, vers la terre de France. Chaque jour, au rythme des saisons, la nature se plie à la volonté farouche et au patient courage du tâcheron. Car la vraie gloire de l'homme était de tenir et transmettre. Le chevalier offrait son sang, le moine ses prières et son savoir. Toi, maître Jacques, tu tentais d'assurer le pain pour tous. Oh, boy!
le seul, le poids de vos coûteux caprices, guerre, fête, poudre aux yeux. Si vous saviez, bientôt, ils demanderont, bientôt, ils exigeront la fin de votre monde de luxe et de plaisir. La France entière va se saouler de liberté. Le seigneur de ces lieux lui-même, le Pelletier de Saint-Fargeau, député de la noblesse aux états généraux, fera sienne la cause du peuple. Il rejoindra le tiers-état, puis les montagnards. Il entraînera les indécis à voter, avec lui, la mort du roi. La mort du roi! Si vous saviez. Mais il est trop tard déjà pour modifier le cours du temps. Et vous avez rendez-vous avec votre destin. La date en est arrêtée. Ce sera le 14 juillet 1789.
faisait beau ce matin d'août 1944 lorsque l'abbé Mouchy, doyen de Saint-Fargeau, escorté de 8 enfants de chœur et d'une partie de ses ouailles, s'avançait à travers le parc aux arbres centenaires vers la chapelle du château afin d'y célébrer, comme chaque année. Auront lieu cette année tous les vendredis et samedis jusqu'au 24 août. Pour quitter le château, vous pouvez passer par la cour d'honneur où vous assisterez à un concert de trompe de chasse ou bien repartir par les écuries et la route de Saint-Amand. Nous vous souhaitons... On va passer par les écuries, là.